N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. Zelensky a prononcé son discours de guerre et non pas de paix, comme on peut voir dans pas mal de médias européens, de guerre devant une salle presque vide. Si les choses s'enveniment, il est très possible que la Pologne refuse le passage des armes occidentales allant de la Pologne à l'Ukraine. Les États-Unis ont annoncé qu'ils organiseraient cet automne une conférence avec des chefs d'entreprise et des responsables ukrainiens afin de renforcer les capacités de défense à long terme de l'Ukraine. Poland about to walk away from Ukraine. Some major developments over the past 48 hours and just in the past few hours actually in NATO's war. Les autorités ukrainiennes ont revendiqué ce vendredi une frappe sur le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée qui a fait au moins un disparu. We'll say this. Something's going on and it's not good for Ukraine because the news is no longer reporting about the war. The fake news. They don't report about the war anymore. You don't find much reporting. That means that Ukraine's losing. Okay? I see very little reporting from NBC, your network. I see very little reporting from NBC, ABC, from CBS, from anyone about the war. It used to be you'd go and you'd watch, even a couple of months ago, you'd watch all of this great strategy. The spring offensive never happened. Ukraine's spring offensive never happened because they were met with a wall of armaments and bombs. Un navire chargé de blé a quitté un port ukrainien à destination de l'Égypte. Fiasco de l'Allemagne et de l'Ukraine. Et plus personne n'est prêt à écouter Zelensky, non seulement à l'Assemblée générale des Nations unies, mais également au Congrès américain, puisque finalement l'intervention de Zelensky a été annulée. Pour l'être aidé, c'est lui qui pose ses conditions aux autres pays. Il va devant les différents parlements nationaux, il exige que les cités françaises ou autres quittent immédiatement la Russie, sinon elles sont accusées d'être complices de crimes de guerre. À la Russie, la fourniture potentielle d'armes, et notamment de munitions, par la Corée du Nord, à l'effort de guerre de la Russie. Ambiance cotillon ces derniers jours entre Kiev et Varsovie. Alors c'est une catastrophe. En fait, l'Union européenne, vous savez, c'est la colonie aujourd'hui des États-Unis. Les États-Unis lui font faire le sale boulot. Il y a plus d'un an, l'Union européenne a décidé d'accueillir le poulet ukrainien sans droit de douane. À savoir comment certains pays, qui étaient vus d'une certaine manière, ne sont pas du tout dans leur réalité ce qu'on veut croire. Aujourd'hui, nous annoncerons conjointement l'établissement d'un partenariat stratégique Chine-Syrie. Des camions russes qui apportent une aide indispensable à la région séparatiste du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan. Face à un afflux massif de migrants, l'Italie durcit ses règles. Selon un nouveau décret, les demandeurs d'asile déboutés devront verser une caution de 5 000 euros sous peine d'être envoyés en centre de rétention.